Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur l'évangélisation. Peut-être vous vous sentez comme une personne nulle, vous ne savez pas trop comment faire, mais heureusement, nous avons à l'émission Vie de foi aujourd'hui l'évangéliste Frank Poulin, que vous connaissez bien de EMC-TV. Bonjour Frank. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Juste avant de plonger dans notre sujet d'aujourd'hui, ouais. je veux juste rappeler à nos amis à la maison que tu animes l'émission Héros de la foi. Ouais. Et puis tu participes aussi à l'émission Bonjour chez vous. Ouais et évangélise aussi donc tu vas prêcher dans des églises donc si quelqu'un dit ah moi j'aime beaucoup Frank Poulin oui. j'aimerais ça l'inviter dans, dans mon église est-ce qu'il y a un moyen de te contacter oui, ils peuvent me contacter directement au travers de EMC TV. Ils peuvent m'envoyer oui. un courriel directement, puis euh, ça va m'être envoyé, comme c'est arrivé plusieurs fois déjà par des églises et des okay. gens. Donc, ils pourraient me contacter comme ça. Puis oui, on fait, je fais de la formation dans les églises et prêcher aussi, bon, différentes Excellent. choses. Ouais. Gloire à Dieu. Mais c'est merveilleux. Et puis, on a été bénis jusqu'à présent. Nous ouais. sommes rendus. Notre troisième émission, en parlant justement de l'évangélisation, euh, c'est un mot, des fois, qui fait peur aux gens. Ouais. Des fois, les gens se disent « Ah, moi, je ne veux pas trop savoir comment faire parce que finalement, je vais avoir de responsabilité, mm -hmm. mais qu'on le ressente ou non, Dieu nous appelle à évangéliser. Oui, c'est -ce ouais, ça, ça fait partie de la vie. Puis, comme je dis, c'est pas pour être dur, mais on va avoir des comptes à rendre. Puis mm -hmm. même hier, j'ai parlé de l'astuce sombrale, justement, puis tu parles de ça parce que ça me revient. Euh, lorsque, si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, allez l'écouter parce qu'il y avait vécu une vision, lui, j'avais expliqué un peu le cœur euh, de, de, de recevoir un cœur pour les perdus. Ouais. Et puis quand il avait vu l'humanité qui tombait dans la perdition éternelle, euh, Dieu lui a cité un verset, euh, je, je crois que, là, je, je peux y aller très rapidement, je crois que c'est dans, dans Ézéchiel, les gens s'ils veulent y aller aussi, là. ils peuvent prendre leur Bible et une y aller, y a eu, euh... ça, ça a marqué sa vie, puis on sait le, le, le fruit qu'il a porté par la suite, c'était énorme, et euh, je vais juste prendre le temps de le lire parce que c'est très important. Ézéchiel en, au chapitre 3. En fait, Lester Sumrall, j'ai connu un peu son témoignage. Oui. Euh, je crois que c'est lui qui revenait en Amérique... Euh et puis, il avait passé beaucoup d'années sur le champ missionnaire. Oui, il est allé, euh, il est allé bien, beaucoup en Inde, de différents endroits, dans ouais. des endroits vraiment reculés. Et puis, puis quand euh... il est revenu en Amérique, il pensait qu'il arrivait à un temps de retraite. Ouais. C'est là où son ministère a vraiment comm... commencé à commencer euh, ouais, à 100%, oui, absolument. Vraiment spécial. Des fois, on pense qu'on est à la retraite, mais Dieu dit, non, 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 je vais encore me servir de Absolument. Et dans, ben, lui, c'est ça, qu'est-ce que Dieu lui avait dit quand il avait eu cette vision-là? C'est Ézéchiel 3.18, quand je dirai aux méchants, tu mourras. « Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Wow, c'est quelque chose. Hein. Puis euh, Dieu lui avait clairement dit ça, puis je veux dire ça, il y a quelque chose à prendre au sérieux. Mm -hmm. on, on pense vraiment que, que Dieu est un Dieu de grâce et il est, il est tellement plein d'amour, il nous fait grâce, il est bon, mais Dieu est juste, puis il s'attend des, des choses de ses enfants. Vrai. Quand on mature, ce n'est pas normal que ça fait 20 ans que tu es sauvé et que tu n'as jamais manifesté un don du Saint-Esprit ou que tu n'as jamais apporté quelqu'un au Seigneur. Ce n'est pas pour être dur que je dis ça, c'est la vérité. Si on réalise Dieu est que un est bon anormal, Père. Oui, c est, c est, c est, il veut qu'on fasse ça. Ouais, si on réalise que c'est anormal, bien, on peut changer aujourd'hui. Absolument, c'est la bonne nouvelle. Puis c'est ça, aujourd'hui, on va parler de quest ce que nous avons reçu pour mm -hmm. pouvoir être un, un témoin efficace pour Dieu. Parce que là, on a parlé au début de la semaine, c'est quoi l'évangéliste ou être quelqu'un qui évangélise. On a parlé d'avoir le cœur pour les perdus. Puis là, on va rentrer vraiment dans le sujet cette semaine par rapport à comment concrètement je peux le faire, plus d'une façon euh, vraiment tangible, naturelle. Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? On va parler de qui, qui nous sommes en tant qu'évangélistes sur la terre, en hein, voulant dire n'importe qui qui va évangéliser. Ouais. Parce que Dieu ne nous a pas laissés sans puissance, sans... ni quoi que ce soit. Il n'a pas dit fais-le, arrange-toi avec ce que tu as. Hum. Il nous a tout donné. Il nous a donné nous a... le Saint-Esprit, en fait. Hein? Parce que, la pro... la... Ouais. Je pense, en t'écoutant parler, je pense à la jeunesse de notre Église. Euh, je suis allé dans une réunion jeunesse il y a pas si longtemps. Et puis, j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, la différence entre nous et ceux dans la religion, j'ai dit, c'est que nous, on peut prouver que Dieu existe. Ouais. Puis là, tout le monde, les yeux sont devenus ronds comme ça. Ah ouais, on peut prouver. J'ai dit oui, par la présence de Dieu, par la manifestation de la présence de ouais. Dieu. Parce que quelqu'un peut être dans la religion, peut juste avoir un discours euh, argumenter, avoir des points. Bien, moi, c'est ma façon de raisonner. Ouais. voilà euh, Mais nous, on peut juste imposer les mains aux malades et le, le malade peut guérir ouais, comme ça. Ouais, ouais. Et juste imposer les mains aux malades, ou même pas malade mais juste à une personne dans le besoin, on prie et ils ressentent la présence de Dieu. Ouais. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est au-delà d'un de, argument. Oui, c'est la présence C'est concret. Dieu. Ouais, Et puis les ça. gens aujourd'hui marchent avec le concret, ils, 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 ils voient tellement de choses à la télévision, à toutes sortes d'endroits, ils entendent okay. plein d'affaires, mais tu parles de Dieu, c'est pour ça qu'on va parler de l'évangélisation avec puissance, parce okay. que les gens ont besoin de vivre une touche de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que moi je suis ici aujourd'hui? C'est parce que j'ai vécu une touche de Dieu. Mm -hmm. je, je, en tout cas, ça doit être vraiment difficile de jamais avoir vécu la présence de Dieu dans ta vie, puis de rester accroché à Lui toute ça. ta vie. Je veux dire, dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait, dans le Nouveau, Dieu descendait, les gens étaient visités, étaient baptisés du Saint-Esprit, ils vivaient des choses. Oui, Dieu fonctionne, il nous touche dans nos émotions parfois, mais Dieu, il veut se faire. Il veut se faire connaître par les gens du monde, puis il nous a laissé une puissance. Moi, je pense, Frank, une des raisons pourquoi nos jeunes dans nos églises quittent les voies de Dieu, euh, c'est parce que c'était l'église de leurs parents. Ouais. C'était comme une religion pour eux. Absolument. Mais un jeune là, qui était dans une réunion a vécu une touche du Saint-Esprit. Ouais. bien, euh, cette touche-là demeure en nous. Hein. Ouais, 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 Et ouais. Euh, récemment, il y a quelqu'un de notre église, je me réjouis, parce que c'est un jeune homme qui avait vraiment vécu des temps très, très forts dans mm. la présence de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Bref, je ne veux pas trop décrire cette ouais. vie, mais il y a deux, trois semaines, ce jeune, jeune homme-là est revenu à l'église. Wow. Je me dis, c'est comme quand on a eu une touche de Dieu, c'est mémorable. On peut prendre un détour, on peut, bref, mais le Saint-Esprit qu'on a... Reçu, il y a. Tôt ou tard, c'est comme je veux dire. On rappelle. Oui, oui, oui. Puis c'est au-delà d'un de, argument, c'est vraiment la présence ouais. de Dieu. aujourd'hui, tu veux nous dire comment on a vraiment tout reçu? Ben, c'est les gens vont se dire, ça, mais c'est ça, l'évangéliste, il y a l'onction, parce qu'on peut parler de l'onction, on ne veut pas parler de ça aujourd'hui. C'est une réalité, c'est là, mais ce n'est pas le but de l'émission. Le but, c'est de comprendre qu'on peut fonctionner en tant que disciples de Jésus, de croyants. On est né nouveau, on a le Saint-Esprit en nous. Et après ça, acte 1, 8, Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mm -hmm. et vous serez mes témoins, ouais. euh, dans, dans la Judée, à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux jusqu extrémités de la terre. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mm -hmm. Et puis là... Ce n'est pas une argumentation pour moi que je n'ai pas assez de puissance ou je n'ai pas assez de ci ou ça. C'est pas vrai, puis on va le briser aujourd'hui par la parole de Dieu. Puis ce pas pour contrer des gens ou contredire, mais oui, cela est en fait. C'est pour vous montrer, prouver aux gens qu'ils ont tout ce qu'ils ont de besoin pour évangéliser efficacement, que ce soit dans le surnaturel, pour manifester la puissance de Dieu. Nous avons tous reçu. Donc là, quand on regarde ça, acte 1-8. Jésus avait dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous allez être mes témoins. Témoin ici, ça veut dire martyr en grec. Ça, c'est juste pour le dire, parce que les gens, <laughs> des fois, <laughs> ils se parlent, oh, je suis un lui, témoin, ah, tu es un martyr. Mais bon, Jésus, c'est ce qu'il avait dit, vous allez être mes témoins. Puis là, quand tu regardes la vie de Pierre, mm -hmm. Pierre, il venait tout juste de renier Jésus à la croix, dans ce moment qui était difficile-là, il avait renié trois fois. Il se cachait, il avait comme honte un peu du Seigneur de s'associer avec lui. Et soudainement, il reçoit, la, 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 il y a eu la Pentecôte, mm -hmm. il reçoit ce revêtement de puissance parce que les gens ont associé le baptême du Saint-Esprit à parler en langue. Mm -hmm. Ça, c'est le signe initial que tu l'as reçu. rama bro, tu parles en langue. Mais ce n'est pas la finalité de ça. Le baptême du Saint-Esprit, Jésus a dit, c'est une puissance pour être mes témoins. Mm -hmm. Et puis là, quand tu saisis ça, je dis, mais je suis supposé avoir vécu, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu la puissance, mais elle là est comme dormante sur les gens parce qu'ils n'ont pas jamais compris que c'est une puissance de Dieu qui est sur eux. Ils mmh. doivent comprendre cela et agir dans la foi ils vont voir la puissance de Dieu se manifester. Mmh. Pierre, par la suite, quand on lit dans, dans Acte justement 1 au verset 38, ça nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de, de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et après ça, euh, au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. » Tu vois, Pierre, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, reniait entre guillemets Jésus, ne voulait pas s'associer à lui. Puis là, soudainement, tu le vois prêcher à des foules en entier, de milliers de personnes, ça. avec conviction, foi, audace. Et puis, il y en a 3 000 personnes qui se convertissent ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mm -hmm. Fait que tu te dis, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit... Tu vois la même chose que qu ce que Pierre a reçu là, cette journée-là. Il a reçu le baptême, puis après ça, il a commencé à voir des choses se manifester. Donc, ça, c'était dans Acte 2, verset 41, que tu viens de lire. Euh, oui, oui, c'est ça exactement. Donc là, on voit que Pierre commençait à agir avec puissance. Et après ça, même on va aller voir Luc 10. Luc 10, on va commencer au verset 17. Là, on a vu dans la première émission que Jésus avait envoyé 70 disciples avec les 12 qui étaient ouais. là au départ, il en avait envoyé 70 autres. Mm -hmm. Puis il leur a dit, là maintenant, on, on se retrouve encore dans le passage, Luc 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. Mm -hmm. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et mm -hmm. au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce, que vous, de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Là, tu vois, les disciples ils reviennent et ils sont comme tout surpris parce que Jésus les avait envoyés, avait dit, allez avec l'autorité de mon nom, chassez les démons, guérissez les malades, et tout ça. Et là, ils reviennent et enfin, ils sont surpris parce qu'ils disent, mais Jésus, c'est vrai, on a chassé les démons. Hmm. Et là, je reviens qu'à dire, encore une fois, ça fait combien de temps que tu n'as pas chassé un démon? Parce que les disciples le faisaient. Et là, Frank, es dur, tu es direct, mais c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous dit. Mm -hmm. Lorsqu'on va aller, on va agir dans le nom de Jésus. On ça. va voir des choses qui vont se passer. Et c'est même pas obligé d'être forcément dans les rues pour commencer. Des fois, tu vas prier avec quelqu'un de ton église ou quelqu'un de ta famille, de ton entourage. Et quand tu saisis, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, notre autorité en Christ qui nous sommes pleinement, tu vas le faire avec foi, et il va commencer à se passer des choses. Je pense, te... ouais, Frank, là, des fois, les gens s'imaginent quand on chasse un démon, ouais. euh, c'est parce que la personne s'est jetée par terre. Il ouais, ouais, est... ouais, 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 ouais. faut avoir une manifestation très bizarre. Je Et oui, pas. on l'a vécu. Moi, j'ai vécu en ouais. Afrique, euh, j'ai des... vécu des choses semblables. J'ai jamais vu au Canada. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des démoniaques au Canada, mm -hmm, mm -hmm. mais j'ai juste vécu l'expérience plus en Afrique. Ouais. Euh, mais tout ça pour dire que des fois, on discerne aussi quand quelqu'un est malade, ouais. que c'est vraiment une attaque de l'ennemi. Ouais. L'ennemi a vraiment voulu euh, détruire la personne. Mais c'est là, ouais. on peut juste vraiment commander au nom de Jésus que, que cet esprit Absolument. de maladie ou peu importe c'est là, là où on va chasser. puis on n'est pas obligé de voir quelque chose. Je, pense que, des, non. je pense que Je pense des fois les gens pensent ah, oh, je, je chasse un démon si je vois quelque chose. Oui, mais pas forcément. Non, puis les gens, ils vont... Si tu vois rien se passer, par contre, les gens qui vont recevoir la délivrance, ils vont avoir quelque chose qui va, qui va quitter. En tout cas, ils vont sentir un poids, ils vont mmh. sentir qu'il une légèreté, que soudainement, ils sont bien en paix. J'ai vu des démons, moi, se manifester au Québec ici, des gens à terre, puis des mmh. choses vraiment comme peut, les gens peuvent penser. Parfois, oui, c'est comme plus... Euh, comment je peux dire? C'est plus visuel que d'autres. Des fois, on peut vraiment voir la manifestation. D'autres fois, non. Mais ce qui est important de comprendre dans l'émission d'aujourd'hui, c'est lorsque tu vas évangéliser, je reviens à ça parce qu'on parle d'évangéliser, lorsque tu vas aller évangéliser et que tu vas approcher quelqu'un et puis tu vas dire à cette personne-là, euh, peut-être parce que des fois tu peux aller évangéliser dans les rues un soir, tu vas dire vraiment là un soir je m'en vais pour évangéliser. Mm -hmm. Tu peux faire que l'évangélisation devienne un style de vie. C'est-à-dire que des fois, tu mets de l'essence, tu vois quelqu'un qui semble avoir un malaise. Tu peux aller juste vers la personne et dire Je vois que vous avez une canne, est-ce que je... vous avez mal à votre jambe tu sais, Puis la personne va dire Ah oui, oui, j'ai été opéré, puis j'ai des douleurs encore un peu. Ah, OK, ben moi, je, je crois en Dieu, puis j'aimerais ça pouvoir prier pour vous. Est-ce que ça vous dérangerait Ça, ça c'est un style de vie ouais. comme d'évangélisation et de, 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 mani de manifester Dieu comme ça dans la vie de tous les jours. Mais des fois, tu peux te dire Je m'en vais évangéliser. Mm -hmm. Là, tu sors évangélisé. Et puis là, tu vas parler avec quelqu'un, et la personne, tu, tu vas lui dire, euh, tu vas peut-être commencer à lui parler de comment ça va dans la vie, du soleil, du beau temps. Puis là, tu vas parler, bien, tu viens à parce que tu as, as rencontré Dieu, toi personnellement, peu importe comment que ça va couler, ça va sortir. Puis là, la personne va, va être là devant toi, et puis tu peux lui dire, bien, comme que tu as dit au tout début, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres, c'est qu'on peut prouver que Dieu existe. Et puis c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que des fois, on pense qu'on va y aller avec nos mots, puis que ça va se faire. Quand tu regardes le prophète Élie devant les faux prophètes de Baal, il a fait descendre le feu du ciel. Il a prouvé que Dieu était vivant et qu'il existait. Puis là, qu'est-ce que tu voulais que les gens disent? Ils ne pouvaient rien dire. C'est ça. Donc là, quand tu es devant quelqu'un et tu saisis que tu as une puissance qui est venue sur toi, tu as été baptisé du Saint-Esprit, pas juste pour parler en langue toute ta vie. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est une bénédiction en soi, tu prêts des mystères sur ta vie. Mais là, Dieu il veut que tu utilises cette puissance-là pour rejoindre les gens. C'est ça. Là, tu vas parler à quelqu'un puis tu vas lui dire comme j'ai dit, tu vas parler de toutes sortes de choses puis tu vas lui dire ah ben ah puis ah oui, tu mal à l'époque, ça fait longtemps oh oui oui et puis là toi en, en, te, en te nourrissant de la parole de Dieu, de ce qu'elle dit à ton égard parce que là on, on en parle aujourd'hui mais qu'est-ce que je veux que les gens fassent c'est qu'ils aillent pour eux-mêmes voir et qu'ils relisent et qu'ils relisent mm -hmm. parce que la parole doit t'habiter et puis la foi va venir de ça et puis tu vas venir qu'avoir une ferme conviction et là tu vas être devant la personne et tu vas dire, ben, tu vas juste faire une, une courte prière. Pas rien de spirituel, de qui fait peur, puis de parlage en langue, c'est pas le temps. Tu vas dire, au nom de Jésus, douleur dans l'épaule, quitte. Mm -hmm. Et là, parce que tu sais qui tu es en Christ, des choses vont se passer. C'est ça. Et puis, souvent, ça va se passer, même plus souvent que quest ce qu'on peut voir dans les églises, mm -hmm. parce que tu fais de l'évangélisation. Les gens vont dire, ah oui, oui, <laughs> parce que Dieu ne va pas te laisser toute seule. Il sait où est-ce que tu en es rendu dans ta vie spirituelle, il sait où est-ce que tu es rendu, puis il veut pas non plus que tu aies l'air d'un fou, mais quand tu le fais avec foi, Dieu va agir. Puis les gens vont être surpris de voir ça. Ils vont... En fait, quand la, la personne va être guérie, tu vas même être surpris toi-même. <laughs> tu vas dire, oh. il va dire, ah ben oui, je sens comme une chaleur ou quelque chose. C'est parce que tu vas avoir été conscient de qui tu es en Christ, mm -hmm. de l'autorité que tu as, et tu n'as pas besoin de recevoir rien de plus. Qu'est-ce que je dis aujourd'hui? C'est que... Vous à la maison, vous n'avez pas besoin de recevoir une autre imposition des mains ou quoi que ce soit. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, puis Jésus a dit, si tu parles à une montagne et tu ne doutes pas dans ton cœur que ce que tu dis arrivera, tu le verras s'accomplir, avec ta foi et avec le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance que tu as reçu. Mm -hmm tu peux accomplir toutes sortes de choses extraordinaires. L'onction, c'est autre chose, mais par la foi et par la puissance qu'on a reçue, la plénitude de Dieu qui habite en nous, on peut faire des grandes choses. Je pense, en t'écoutant parler, Frank, je suis en train de penser, quand j'étais euh, à Sherbrooke, voir quelqu'un à l'hôpital. Ouais. Euh, bon, si on veut euh, prier pour les malades, c'est vraiment une bonne place. <laughs> uh -huh. Donc, je vois un monsieur dans sa robe de chambre, et puis euh, bon, moi j'arrive là, et puis je pose la question, à monsieur. Ah, oh, monsieur, euh, avez-vous besoin de, de guérison <laughs> Quelle parole de consolation. Il y a des bonnes chances qu'il en ait besoin. <laughs> avec sa robe de chambre dans, dans le stationnement. <laughs> Mais des fois, on n'est pas obligé de ressentir la puissance de Dieu. Non, nous-mêmes, non. Nous-mêmes, Et je me souviens, j'ai dit, ah, est-ce que je peux prier pour vous Parce qu'il me dit, ah, j'ai mal au dans le dos, tout ça. J'ai dit, ah, bon, je dis, est-ce que je peux prier pour vous mm -hmm. Et du, oui. Sauf que là, j'ai dit, mais là, je est-ce que vous, vous pouvez me donner votre main? Parce que des fois, je pense, on s'imagine, on doit toujours imposer les mains sur la terre. Ou ce que ça fait <laughs> mal, aussi, ou, ou sinon, mais c'est pas besoin, pas besoin. En fait, ce que Dieu veut, c'est un contact. Ouais. Hein? On relâche la vie de Dieu. Ouais. Donc, j'ai pris sa main, comme si bonjour, monsieur, mais d'une façon juste naturelle, j'ai donné la main j'ai dit, je relâche la vie de Dieu à travers Exactement. votre corps, maintenant, au nom de Jésus. Et puis là, il me dit, wow! Mais c'est quoi ça? Il dit je sens une chaleur dans mon dos. Ouais. Puis, ben c'est la présence de Dieu. Mais moi je ressens rien. Non, c'est ça? Puis des fois je pense que les gens s'imaginent Ah oh, là, faut que je prie en langue, faut que je sois f... C'est ça, Super je dis, loin, Faut que je sois puis... intimidant quasiment, ou tu cries fort, t'as pas besoin. Tu, tu penses veux... aussi, comme tu dis, tu puis... mets un doigt sur l'épaule, puis... <laughs> Je pense que aussi Dieu nous fait des des, comment dit, des bonus ou des... Je ne sais pas trop comment dire, mais il fait des exceptions pour nous dans le monde parce qu'il veut nous encourager. justement. une grâce vraiment ouais, qui est grâce là. spéciale. Oui, 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 on oui, voit oui. plus de résultats des oui. fois dans le monde que dans l'Église oui. parce que Dieu veut nous montrer... Oui, oui, c'est ça, allez-y, allez-y. Oui, pour commencer, c'est ça, ça va se faire. Puis il va fonctionner au travers de nous. C'est ça, c'est vraiment spécial. J'aime bien en tête tout de suite, je veux encourager les gens parce qu'il y a une telle joie. Tu sais, quand tu as fait ça, tu es reparti, c'est sûr que tu es habité d'une joie qui est... C est, c est pas, tu ne peux pas décrire cette joie-là. Puis la joie qui accompagne l'annonce de l'Évangile, tu ne peux pas l'acheter nulle part. Tu ne mmh. peux pas rire dans un film et avoir le même type de joie. C'est une joie. Tu sais que tu as fait ce que tu es supposé faire. Tu as comme le sceau de Dieu. Tu es heureux parce que tu as fait ce qu'il voulait et il s'attendait de toi. C'est glorieux. Puis qu'est-ce que tu as dit? C'est exactement ça que les gens doivent comprendre. Quand tu pries pour un malade, tu ne vas pas supplier Dieu de le guérir. Mm -hmm. Parce que la guérison, Jésus l'a déjà acquis. Comme tu te dis, c'est exactement ça. Tu relâches la puissance de Dieu qui est en toi par le Saint-Esprit. Tu la relâches et tu fais un transfert, en fait. C'est mm -hmm. pour ça qu'elle dit, vous allez imposer les mains. Comme tu te dis, ou peu importe c'est où, tu imposes la main. C'est parce qu'il y a un transfert de puissance qui ouais. se fait. Et puis la guérison va s'obtenir comme ça. Parfois, ça peut se faire au travers de la télévision, ça peut se faire mm -hmm. de différentes façons, mais quand tu es là dans les rues, mm -hmm. tu peux prendre la main, comme tu te dis, pour pas que ça ait l'air bizarre. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux, plisser le visage, puis prier <laughs> fort. Tu, tu y vas normal. Puis quand tu vois ces choses-là commencer à se passer, tu, ça t'encourage tellement de le faire. C'est glorieux. Puis quand tu regardes dans le livre des actes, moi, j'aime tellement cette histoire parce que ça vient encore là briser des mentalités et des faux raisonnements que les gens vont dire c'était dans le temps des apôtres ou c'était les apôtres ou c'est les ministères qui doivent le faire. Tu regardes Étienne et Philippe. Mm -hmm. Quand tu regardes Étienne et Philippe, la parole nous dit que les, les apôtres avaient dit justement on n'a plus le temps de servir aux tables, on a, on, il faut qu'on se consacre à la prière davantage et à la parole et à la prédication. Et, et, donc, il a dit on va, on va choisir des hommes qu'ils soient pleins du Saint-Esprit, des hommes qu'on ait un bon témoignage. Mm -hmm. Choisissez-en, puis on va prier pour eux, puis ils vont être des diacres. C'est-à-dire oui. qu'ils vont servir aux tables, ils vont ils vont, ils vont vont s'occuper des choses dans, dans la maison, les, les apôtres étaient. Mm -hmm. Un diacre comme Étienne et Philippe. Quand tu lis dans l'Acte, on va le lire ensemble parce que c'est tellement, tellement puissant. Acte 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'Assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils évangélisaient, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Fait que moi, j'aime regarder ça dans le verset 5, tous les noms qui sont cités, Philippe, Procar, Nicolas, Timon, Permanas, Nicolas, les seuls deux que tu retrouves dans la parole de Dieu, c'est Philippe et Étienne. Mm. Les autres, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Non. Mais Philippe et Étienne, il y a eu quelque chose en eux... Qui a fait qu'ils se sont démarqués. Parce qu'on voit que Philippe a été téléporté dans le futur, dans, dans, il a été pris d'une ville à un autre. Dans Acte 8. Oui, il faisait des miracles extraordinaires aussi. Et Étienne, ouais. c'est la même chose, ça nous dit qu'il se faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple au travers de Étienne. Ouais. Il est parti d'un diacre, pas de quelqu'un que Jésus avait choisi du doigt, d'un diacre qui avait une soif et une faim. Et moi, je crois qu'il voyait les apôtres faire. Il devait s'instruire auprès d'eux, de les questionner, je pense, hein? mm -hmm. Puis un soir, à un moment donné, peut-être qu'il était avec Philippe dans la rue, puis il a vu quelqu'un, puis il a dit, Hey Philippe, on, on va aller, on va faire comme les apôtres, on y va. Là, ils, ils se sont essayés, entre guillemets. Puis ils ont, ils ont dû prier, puis il s'est passé de quoi. Ouais. Et là, ils ont été tellement fortifiés, encouragés. Ils ont dit, Mais c'est ça, être un disciple de Jésus. Wow. <laughs> moi, je suis tellement béni parce que c'est ça. C'est ça, être un disciple de Jésus, c'est de voir la puissance de Dieu se manifester. Tu vas dans les rues ou à ton église ou dans ta famille, tu vois les choses se passer. C'est ça, être un disciple, c'est d'utiliser le nom de Jésus et la puissance ouais. qui est en toi, sur toi, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ouais. Là, ta vie, elle change, tes priorités changent. Tu vis plus pour ta maison, tu vis plus pour tes voitures, tu vis pour l'annonce de l'Évangile et faire ce que Dieu t'a demandé de faire ouais. dans toutes les sphères de, 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 de ta vie et dans, dans où est-ce que tu es, ton travail, tout ça, les choses changent. Acte 6, allez lire ce passage-là. Étienne et Philippe ont fait des choses phénoménales pour le Seigneur. Ils étaient des diacres qui ont eu une soif de plus et ils ont vécu beaucoup plus. Ça, pour moi, c'est un encouragement pour qui que ce soit qui peut écouter. Moi, ça m'encourage. À toutes les fois, j'en parle. Ça me bénit tellement. J'aime tellement Amen. cette histoire-là. Ah, c'est merveilleux, puis comme l'apôtre Paul il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans ouais. moi. C'est vraiment de laisser Christ en fait, guérir les malades, mais à travers nous. Oui, pas. absolument. Vraiment, nous sommes le corps de Christ. Ouais. Ça fait que, si j'annonce l'Évangile, j'ouvre la bouche, bien, c'est la parole de Dieu qui ouais. est relâchée dans la vie d'une personne. C'est une semence divine qui est vraiment semée dans un ouais, terrain. Absolument. Si j'impose les mains aux malades, c'est comme Christ qu'il fait, ouais. parce qu'on le fait en son nom. Et euh, c'est là où on voit le Seigneur se glorifier. Et euh, si on dit, ben pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne le fais pas plus? Peut-être, je pense, on se laisse intimider. Il y a peut-être la paresse où ouais. on, on s'imagine, en fait, que ça ne fonctionnera pas. On se discrédite peut-être. On se dit, ben, euh, moi, je ne suis pas Oral Roberts. Hein? Je n'ai mm -hmm. pas reçu un don spécial. Euh, je suis juste une petite personne. Mais Dieu se sert à des petites personnes. Hein? Et C'est ça. On, peux, les gens ne peuvent rien dire, en fait. Puis c'est pour ça que j'utilise eux comme exemple. C'est que tu ne peux rien dire. Mm. Ils étaient des diacres qui ont eu une soif pour plus. C'est juste ça qu'on peut voir par la parole. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais on sait qu'ils ont fait des choses tellement fortes pour le Seigneur et ils se sont démarqués du restant du groupe ouais. parce qu'en tout cas, à ce qu'on peut savoir, les autres, on n'en en entend pas parler. C'est vrai. Et donc, pour moi, ça me dit qu'il y a eu une soif qui était là. Et pour mm. vous qui regardez, il y a peut-être une soif qui est là. Et là, sachez, je veux revenir sur qu ce qu'on disait on a reçu le nom de Jésus. Mm -hmm. Tu le sais tout comme moi. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms Amen. qui peuvent se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mm -hmm. euh, on a reçu le revêtement de puissance du baptême du Saint-Esprit. Mm -hmm. Quoi d'autre est-ce qu'on a besoin de plus? Les gens peuvent dire, ben il y a telle affaire ou ci si, ou ça. Non, il y en a pas. On a tout reçu. Il n'y a aucune excuse. Mm -hmm. Tu es inexcusable devant Dieu. Quelqu'un va peut-être dire, ah mais je n'ai pas été formé. Mais c'est mm -hmm. faux. Vous venez d'être Alléluia. <laughs> c'est ça. Puis encore là, je reviens qu'à dire, une formation, ça ne dure pas super longtemps. Euh, on, on fait des formations, mais c'est les gens, une fois que tu le fais, ça débloque. Je pense aussi que c'est par euh, expérience. Hein? Oui. On apprend sur le terrain. Oui. Parce qu'il n'y a pas de de règlement, non, y a autre pas, que suivant ça, la parole. Exactement, exactement. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était au fur et à mesure, en, en commençant, en prenant des pas de foi, ouais. euh, par exemple, juste pour recevoir une parole de connaissance, même si, au départ, o, on peut se dire, ah, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu? Euh, ouais. C'est juste en, en prenant un pas de foi puis ouais. en déclarant la parole qu'on va avoir soit une confirmation où la personne va, vous, va nous dire, ben non, ça n'a aucune rapport. Ouais, 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 on ouais. ne prend jamais un pas de non, foi, ça. on ne va pas avoir de confirmation. Mais tu, tu sais, c'est ça qui... C'est ça que c'est être un, un, un disciple, c'est de faire face à la vraie vie comme ça. C'est-à-dire que la première fois que tu vas aller prier pour quelqu'un qui a besoin de, de, de guérison, puis tu vois pas la personne guérie, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas arrêter Non, tu continues. C'est ça être. C'est quand, quand tu fais face à quelqu'un qui est mourant et que tu pries pour cette personne-là, je viens qu'à dire comme c'est ça que Dieu veut et c'est ça être un disciple. Amen. On aime la bénédiction, mais c'est appelé à affronter les puissances des ténèbres qui mmh. se manifestent dans le monde. En fait, le Frank, si nous sommes bénis, c'est pour être une source de bénédiction. Exactement. que qu'en fait, c'est ça la, la révélation, la manifestation de la bénédiction mmh. dans nos vies, c'est d'être, comme je ne veux, je veux pas le dire, mais je vais dire, comme des petits Christ, ouais. des petits oui. pas ouais Pas qu'on est Dieu là. Non. Entendez-moi bien, je, je prêche pas le message du Nouvel Âge, mais nous sommes des représentants de Christ. Ouais. Et Christ, le mot Christ veut dire « oin ouais. ». Donc, nous sommes les oins de l'éternel. Nous sommes ouais. le corps de Christ sur la terre. Donc, quand moi je prie, quand nous prions, nous pouvons relâcher la puissance de Dieu qui est en nous, qui ouais. est sur nous. Ouais. Puis comme tu dis, on a tout reçu. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de plus, là? On attend peut-être de l'audace ou peut-être un esprit de force. Ah, mais c'est ça qu'on a reçu. Mm -hmm. Absolument. <laughs> Donc on a tout non, reçu en ça, Christ. Il, il manque rien. Mais la réalité, c'est parce que ça, ça ne vient pas de nous. Je pense, on, on regarde trop souvent à nous. Mais si je réalise comme l'apôtre Paul, il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis mmh. fort. Si je regarde à moi-même puis je me dis ah ben là ouais. j'ai besoin de telle telle chose, je vais toujours me trouver en déficit. C'est vrai, ouais. je vais toujours être en déficit. Mais si je dis bah moi-même je ne peux rien faire, mais à travers Christ, avec Dieu, ouais. je ferai des exploits parce que c'est Dieu en moi qui est l'espérance de la gloire. C'est lui qui va se manifester. Comme j'ai donné la main à quelqu'un, ben moi, je n'ai pas pu rien faire. Hein? Ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui fait quelque chose. Ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui est avec vous à la maison, là où vous êtes en ce moment. Et je veux vraiment vous encourager à relâcher votre foi dès aujourd'hui. Croyez que tout ce que l'évangéliste Frank vous enseigne aujourd'hui, que c'est pour vous. Hein? Ce n'est pas juste des paroles qu'on a entendues. On n'a pas juste été euh, diverti par une émission chrétienne. On a dit, ah, bon, c'est intéressant. Non, non, c'est au-delà d'être intéressant. Il faut que la vérité de, de ce qui a été prêché, que cette vérité puisse faire partie de de votre vie et que ouais. vous allez dire, OK, je vais passer à l'action. Hein, C'est comme si je, je m'inscris dans un gym, uh -huh. euh, dans une salle de sport et je regarde les poids à l'heure puis je dis, ah oui, si... C'est super, mais c'est juste en levant les poids oui. que je vais changer mon corps. Donc, euh, on veut vraiment vous remercier d'avoir été là. Merci, Frank, d'avoir été là. On poursuit demain dans ce sujet qui change notre Église avec un grand E. Amen. Et Dieu va sauver une grande multitude au nom de Jésus. Donc, 17 demain. Merci à vous et soyez richement bénis.